وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورة الليل سورة الليل المكية الخيجيريان c'est la 8e ou la 9e sourate révélée. Allah تبارك وتعالى dit بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Donc Allah تبارك وتعالى dit par la nuit quand elle enveloppe tout et par le jour quand il est clair et par ce qu'il a créé mâle et femelle. La nuit et le jour, c'est ce qui compose notre capital, le temps dans lequel les actes des êtres humains sont faits. وما خلق الذكر والأنثى en arabe, ça peut être compris de deux sens. Wa ma khalaqa. Le ma, on peut le prendre dans le sens mausoula ou masdariya. Si on prend dans le sens mausoula, c'est-à-dire wa ma khalaqa ay wa man khalaqa dhakara wal untha. C'est-à-dire Allah, il jure par lui-même, par celui qui a créé le mâle et la femelle. Et si on le prend dans le sens masdariya, c'est-à-dire wa ma khalaqa dhakara wal untha, c'est-à-dire Allah, il jure par ceux qu'il a créé comme mâle et femelle. Donc les deux sens peuvent être acceptables en langue arabe. Non. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse, il a fait le mâle et la femelle. Et il a fait qu'il y ait une attirance entre eux, naturelle, pour que la race de toute chose perdure. Si l'homme, ce qui est le mâle et la femelle, n'avaient pas cette attirance naturelle qu'Allah il a mis en eux, est-ce qu'il y aurait encore des animaux qui perdurent? Toutes les races dans lesquelles il y a mâle et femelle, ils perdureraient? Non. S'il n'y avait pas cette attirance, chacun serait dans son coin. L'être humain, pareil. Allah Ta'ala, il a mis cette attirance naturelle. Et il a légiféré cela par le mariage, alhamdulillah, pour que la race humaine, elle perdure. C'est-à-dire que les hommes, ils aient des enfants, et que ces enfants, ils aient des enfants. Sinon, un homme, il ne va jamais se fatiguer à aller prendre la responsabilité d'une femme, ou une femme, elle ne va pas se fatiguer à entrer sous la responsabilité d'un homme. Pourquoi ils vont se fatiguer à faire ça? Chacun va vouloir rester tout seul. Non. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى certes les efforts que vous faites dans ce monde sont dispersés sont différents divergent c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala quand il a juré par la nuit le jour c'est-à-dire vous avez vu toutes ces différences la nuit le jour les créatures les mâles les femelles combien de différences il y a de même dans vos actes comme il y a des différences dans toutes ces créatures là dans vos actes et dans vos efforts que vous faites dans cette vie-là, elles sont dispersées. Il y a différentes sortes d'efforts, selon l'intention de chacun, selon la manière d'accomplir, selon ses objectifs. Donc les actes des êtres humains sont différents. Chacun a pris des chemins différents. Il y a des chemins principaux, le bien, le mal, la guidée, l'égarement. Mais après, dans la guidée et l'égarement, il y a aussi des différences. Entre celui qui a des hautes intentions, qui parfait son action, et celui qui l'a fait plus faiblement. Et dans l'égarement aussi, il y a des degrés. Non. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, après avoir dit que les efforts des êtres humains ils sont divergents, il parle de deux sortes d'efforts. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Et quant à celui qui donne, et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il commence par le bien? Pour l'encourager. Il commence par ce qui est demandé. Et non pas par ce qui n'est pas voulu. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى et déclare de véridique la plus belle des récompenses. مَنْ أَعْطَى celui qui donne. Il donne quoi? Il donne ce qu'Allah lui a demandé de donner. Il dépense des efforts pour faire les adorations obligatoires. Qui sont liées à un effort physique seulement. Où il donne, il dépense ce que dans les adorations qui sont faites par les biens, comme la zakat, comme les sadaqat, comme les expiations, comme les dépenses obligatoires pour la famille, les enfants, etc. Non. Donc il donne ce qu'Allah tabaraka ta'ala a demandé de donner, que ce soit des efforts, il dépense de son énergie dans l'adoration, ou il dépense de ses biens dans l'obéissance et l'adoration, ou bien des deux ensemble, comme dans le hajj. Autant elle dépense de ses biens, autant elle dépense de son énergie. C'est une adoration qui réunit entre les deux, entre les efforts physiques et les efforts pécuniers. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Celui qui a donné,
qui a dépensé, wattaqa, et qui a craint Allah tabarak wa ta'ala, qui a craint de ne pas dépenser, qui a craint de lui désobéir en cela. Et la crainte, attaqwa, c'est le fait d'obéir à Allah tabarak wa ta'ala avec une science et une lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala en espérant la récompense d'Allah. Et de délaisser ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit avec une connaissance, avec une lumière qui provient d'Allah, c'est-à-dire une science, en craignant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la taqwa. Ça, c'est une des meilleures définitions qui a été donnée pour la taqwa. C'est-à-dire qu'il a cru, il a accepté et il a dit que c'était véridique. Bil husna, c'est la plus belle des récompenses. C'est là le Coran et la Sunna. Allahu nazzala ahsan al hadith. Ahsan, le meilleur, la meilleure parole, les meilleures règles, la meilleure guidée. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans sa khutba, inna ahsan al hadithi kitabullah wa khayra al hadi hadju Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur, al husna, c'est le Coran et la Sunna, et al husna, c'est ce qu'il y a dans le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il a cru en la ilaha illallah, qu'il a rendu véridique, qu'il a déclaré véridique la belle récompense qu'il aura dans l'au-delà, en suivant les belles paroles et le bon chemin et la belle guidée qu'il y a dans ce monde. Naam. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ. Ici, dans la langue arabe, le fait d'utiliser le fa, c'est comme résultat de ça. Alors, on va lui faciliter. سَنُيَسِّرُهُ لِلْتَحْقِيقِ وَالْتَقْرِيبِ. C'est-à-dire, ça va, Allah, il va le faire, et dans un proche moment. Dans un proche moment, il va lui faciliter. Il va lui faciliter l'il-yusra. Il va lui faciliter tout ce qui est un bien pour lui. Tout ce qui est utile pour lui. Il va lui faciliter le chemin de la guidée. Il va lui faciliter, alhamdoulilah, les portes du bien. Il va lui faciliter même le risque. Subhanallah, il y a des gens malades dans le cœur qui ont une aqida très très faible, qui disent alors comment ça se fait si la situation des gens ou des pays et des sociétés est liée aux bonnes et aux mauvaises actions. Alors comment cela se fait-il que les kuffars, ils ont de la pluie, ils ont de la verdure, ils ont de l'argent, tous les biens, et nous dans les pays musulmans, on n'a rien de tout cela. Celui qui pense ne serait-ce que 5 secondes comme ça, il faut qu'il fasse un repentir sincère auprès d'Allah tout de suite. C'est qu'il a un très très gros problème dans sa croyance. Premièrement, n'oubliez pas le hadith sahih qui est apporté par l'imam Muslim, que ce dunya, c'est le paradis du mécréant et la prison du croyant, apporté par le hadith de Abu Huraira, apporté par l'imam Muslim. L'imam Ibn Hajar est passé à côté d'un juif qui était un vendeur d'huile. Un vendeur d'huile, il est tout plein de taches. Et quand il est arrivé là, donc le juif, il a vu l'imam Ibn Hajar bien habillé, sur une belle monture. Il lui a dit, vous, votre prophète, il a dit, ce bas monde, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Il dit, regarde comment tu es toi. Et moi, regarde dans quel état je suis. Et l'imam Ibn Hajar, il a dit, moi, le bien dans lequel je suis, c'est une prison par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà. Et toi, la difficulté dans laquelle tu es, c'est un paradis par rapport à ce qui t'attend dans l'au-delà. Et cette personne, comme il a été rapporté, Allah Ta'ala lui a ouvert le cœur pour la guider, il a accepté l'islam. Donc, la manière dont Allah Ta'ala agit avec un kafir et un musulman dans ce bas monde, elle n'est pas pareille. Et ça, c'est cité dans les versets, dans les hadiths. Allah Ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand un croyant fait une bonne action, Allah lui garde sa récompense dans l'au-delà. Et il ne lui donne que quelques petites subsistances par la baraka, la bénédiction de ses bonnes actions dans ce monde. Alors qu'un mécréant, s'il fait une bonne action, Allah lui en donne sa récompense complète dans ce monde, pour que quand il arrive devant Allah, demain, le jour du jugement dernier, il n'ait rien et sa place est en enfer. Idan, un kafir, bien que tous ses actes sont refusés auprès d'Allah. Rien n'est accepté en tant qu'adoration. C'est pour ça qu'il n'aura aucune récompense auprès d'Allah. Mais Allah est juste. Quand un kafir fait du bien, il aide un pauvre, il fait quelque chose, Allah il lui donne dans ce monde. Il lui ouvre les portes de certaines facilités dans ce monde. Une certaine aisance. Même un plaisir. Ça ne peut pas être parfois matériel. Mais il ne trouvera pas la sérénité et la paix. Mais il peut trouver certaines facilités dans ce monde. Mais en vérité, il vit une vie misérable. Car Allah Ta'ala a dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui s'écarte, qui se détourne de mon rappel,
il aura une vie misérable et il sera ressuscité le jour du jugement dernier aveugle. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, ne sois pas étonné par leurs biens et leurs enfants. Allah veut les châtier avec dans ce monde et que leur âme soit retirée et qu'ils meurent mécréants. Ne les vois-tu pas, les gens qui ont des biens matériels et dont les portes de dunya leur sont ouvertes, mais subhanallah, ils souffrent avec ces biens qu'ils possèdent. Vous savez comment ils souffrent? Ils ont peur de les perdre. Ils vivent dans la peur. Une personne qui s'attache à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il est toujours triste. Car quand il a cette chose à laquelle il est attaché, il est dans la crainte de la perdre. Et quand elle est loin de lui, il la désire. Et il est triste de ne pas l'avoir. Donc il est triste quand il l'a, et il est triste quand elle est loin. Ne voyez-vous pas comment Allah il châtie les koufars avec leurs biens, avec leurs enfants? Ils ont des biens, c'est la cause de leurs soucis. C'est la cause de leur malheur. Ne voyez-vous pas les milliardaires de ce monde et les gens qui ont cherché la célébrité, comment ils vivent miséreux? C'est les gens qui ont les vies sociales les plus bizarres du monde. Ils vivent dans la drogue, dans l'alcool, dans la perdition. Ils n'arrivent pas à avoir un couple stable, une vie mariée stable, comme tout le monde. Ils vont dans des déviances, de déviance en déviance, dans les morales, dans les mœurs, dans tout. Et c'est ça qu'aujourd'hui les musulmans désirent. C'est ça qu'ils cherchent. La brillance de ce bas monde qui n'a pas la valeur d'une aile de moustique chez Allah. Donc ne vous faites pas tromper, barakallahu fikum. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était l'être le plus aimé auprès d'Allah. Pourtant, il s'est retrouvé 2 mois sans rien à manger chez lui à part de l'eau et des dattes. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a goûté à du pain blanc. Il ne mangeait que le pain d'orge, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas de quoi allumer le feu pendant 2 mois chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mettait des pierres attachées sur son ventre à cause de la faim. Un jour, en pleine matinée, dans une autre version, la nuit, il est sorti sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé dehors Omar et Abu Bakr. Il a demandé, qu'est-ce qui vous a sorti? Il a dit, Wallah, c'est la faim. Au messager d'Allah, il a dit, moi aussi, c'est la faim qui m'a sorti. Ils avaient tellement faim, ils sont sortis. Ça, c'est le messager d'Allah, ça, c'est le bien-aimé d'Allah. Le meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala, le plus aimé. Celui à qui Allah lui avait donné le choix d'être un roi sur cette terre, de tout posséder, mais il a préféré être un serviteur messager. Pour avoir un jour et être reconnaissant, et avoir faim l'autre jour et demander et patienter. Donc si votre compréhension ou notre compréhension, c'est qu'Allah il nous facilite, c'est que dans le matériel, Wallah, on n'a rien compris. Allah il te facilite. فَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah il facilite le chemin du bien, le chemin de la guidée. Allah Ta'ala lui donne la permission, il lui donne le plaisir, la douceur de l'adoration, la douceur de la foi que quand quelqu'un la goûte, Wallah al-Azim, il veut rien d'autre. Il veut juste que les gens ils le laissent tranquille. Il veut pas que les gens ils l'occupent à autre chose qu'à évoquer Allah, adorer Allah, ou lire le Coran, ou lire la science, ou enseigner la science. Le reste, ça n'intéresse pas. Non. Et à l'opposé, celui qui a été avare, et qui sait, il s'est senti riche, il s'est senti loin du besoin, qu'il n'a pas besoin d'Allah, il n'a pas besoin de la guider. Donc celui-là qui a été avare avec lui-même en vérité, en n'obéissant pas à Allah, subhanahu wa ta'ala, et en ne donnant pas aux pauvres. En vérité, il a été avare envers lui-même, comme Allah tabaraka ta'ala a dit. Et celui qui est avare, il est en vérité avare avec sa propre personne, car Allah est riche et vous, vous êtes les pauvres. Allah, il n'a nul besoin de notre adoration, nul besoin de nos dépenses, nul besoin de quoi que ce soit. Comme il est venu dans le hadith d'Abu Idris al-Khawalani, si les premiers et les derniers, les hommes et les djinns, avaient le même cœur que l'homme le plus pieux d'entre nous, cela ne rajouterait rien à la royauté d'Allah. Si nos premiers, nos derniers, les hommes et les djinns avaient le cœur le plus impie, du plus impie parmi nous, cela ne diminue rien à la royauté d'Allah. Rien. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Et celui qui a démenti, traité de mensonge le husna, ce qu'Allah lui a rendu obligatoire comme adoration, et donner comme des dons et des zakawats et les bonnes croyances, etc. Tout ce qui est bon.
C'est-à-dire, il a démenti tout ce qui est bon, il l'a délaissé. Il n'a pas voulu le suivre. Fasanu yassiruhu lil usra. Il va, dans ce cas-là, lui faciliter les portes qui le mènent à toutes les caractéristiques mauvaises. Et en vérité, hada min hikmatillah, la sagesse d'Allah. Celui qui cherche l'égarement, Allah ta'ala lui rajoute de l'égarement. Celui qui cherche de la guider, Allah lui ouvre les portes de la guider. Allah n'est pas injuste envers les créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a des mauvaises intentions, ou celui qui cherche le mal, Allah ne lui permet pas au bien. Mais il lui rajoute de l'égarement à l'égarement, et de l'obscurité à l'obscurité. Et un péché, ça en appelle un autre, et un péché, ça en appelle un autre, et une hasanat, ça en appelle une autre, et une hasanat, elle en appelle une autre. Non. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى qu'ils ne lui serviront à rien, ses richesses, quand il sera jeté dans le feu. Non. Toutes ces richesses qu'il a amassées, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit à Abi Lahab, مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ. Ici, c'est dans le même sens. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Ces richesses qu'il a amassées, tout ce qu'il a comme bien, ça lui servira à rien pour être préservé du feu de l'enfer. Inna alayna lal huda. Allah Ta'ala dit ici, certes, c'est à nous qu'incombe la guider. La guider, elle a plusieurs sens. Barakallahu fikum. Hidayatu irshad wa hidayatu tawfiq. La guider dans le fait de montrer le droit chemin, de l'exposer, de le détailler. Ici, Allah Ta'ala dit alayna lal huda. C'est à nous qu'il incombe de montrer le chemin de la guider. Et ça va dans le même sens où Allah tabaraka wa ta'ala dit, Allah il a envoyé des messagers, annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs pour que les gens n'aient aucune preuve, chose à rétorquer contre Allah tabaraka wa ta'ala après l'envoi des messagers. Que les gens n'aient aucune objection à présenter à Allah tabaraka wa ta'ala après l'envoi des messagers. وهذا من حكمة الله لا سجز الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا et on ne châtie pas un peuple jusqu'à qu'on envoie un messager. Donc Allah Ta'ala dit ici إن علينا للهدى, c'est à nous qu'incombe de montrer le chemin de la guidée, d'envoyer les messagers, de révéler le Coran, etc. pour que les gens, il n'aient plus d'excuses, il n'aient pas d'objection à présenter devant Allah Ta'ala. La guider dans ce sens-là, de montrer la guidée, de montrer le chemin de la guidée, elle n'est pas spécifique à Allah. Elle est pour Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants, les prédicateurs dans la vérité, qui sont les étudiants dans la science. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ». Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Tu guides au droit chemin ». Est-ce que ici c'est la guidée dans le sens où il a choisi de mettre la guidée dans le cœur de quelqu'un? Non. « Hidayatu irshad ». Il leur montre le droit chemin. C'est ça dans le sens de guide ici. Amma hidayatu tawfiq, la guidée qui est dans les cœurs des gens, la permission de la guider, ça appartient à Allah seul. Personne à part Allah ne la possède. Et c'est pour ça qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide ce qu'il veut et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés, subhanahu wa ta'ala. Donc la guidée, il y a hidayatu irshad ou hidayatu tawfiq. Hidayatu tawfiq, c'est spécifique à Allah. Hidayatu irshad, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes qui sont les gens de science, ils ont tous un rôle pour transmettre cette guidée-là. Donc Allah, en envoyant les messagers, en révélant, et les prophètes en transmettant, et les héritiers des prophètes en transmettant l'héritage que les prophètes ont laissé. Wa inna lana l'al-akhirata wal-oula. Et certes que c'est à nous qu'appartient la demeure dernière et la présente. Pourquoi ici Allah tabaraka wa ta'ala a parlé d'abord de la demeure dernière alors qu'elle vient après chronologiquement que la demeure présente, n'est-ce pas? Mais c'est parce que c'est la vraie demeure et la plus importante. Donc elle est devancée. Elle est plus importante, donc elle doit être devancée. De même, pour une autre raison, c'est que dans l'au-delà, ici, l'ana, à nous, c'est dans le sens nous appartient. C'est qu'Allah seul appartient, et le maître, et le possesseur, le mutasarrif, celui qui régit l'au-delà et ce monde. Pourquoi elle a devancé aussi l'au-delà dans un autre sens, comme disent les savants?
Parce que dans l'au-delà, la possession et la suprématie d'Allah est encore plus visible, clairement visible. Il n'y a personne qui s'associe à sa royauté ou à sa possession. Le jour du jugement dernier, il va être demandé où sont les rois? À qui appartient la royauté aujourd'hui? Personne pour répondre. Lillahi al-wahid al-qahhar. Mais dans ce monde, il y a des rois à qui Allah Ta'ala a donné une royauté. Donc c'est moins visible, bien que toute cette royauté, elle appartient à Allah Ta'ala. Mais c'est moins visible. C'est pour ça qu'ici, pour toutes ces raisons-là, l'akhira, l'au-delà a été devancé pour son importance et pour la clarté et le fait que ce soit beaucoup plus clair, beaucoup plus pertinent que la royauté appartient seule à Allah le jour du jugement dernier, bien qu'elle appartient seule à Allah aussi dans ce monde. Naam. Wa inna lana l'akhirata wal ula fa anzartukum naran talallah. Je vous ai mis en garde contre un feu qui brûle, qui brûle. Donc le feu ici, il parle de quel feu? Le feu qui brûle, il parle pas du feu de ce monde. Il parle du feu de l'au-delà. Hein? Et là, qui va aller dans ce feu-là? La yaslaha illa al-ashqa, n'y brûlera que celui qui est destiné à la perte, le malheureux, celui qui, quand Allah Ta'ala envoie l'ange dans le ventre de la mère au quatrième mois, et il écrit, Ashaqiyun am Sa'id, est-ce qu'il va faire partie des bienheureux ou des perdants? Et Allah Ta'ala dit, Fa'amma alladhina shaqu, fa'finnari lahum fiha zafirun wa shahiq. Ceux qui ont perdu, ceux qui sont les malheureux, ils seront au feu, où ils auront hoquet et soupir. صلى السلامة والعافية صلى السلامة والعافية صلى السلامة والعافية لا يصلاها إلا الأشقى n'y brûlera que le plus malheureux صيغة مبالغة الذي كذب وتولى c'est qui ce plus malheureux là Allah Ta'ala le détaille celui qui a traité de mensonge les nouvelles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené وتولى et qui s'est détourné donc il l'a traité de mensonge ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, que ce soit des choses passées ou des choses futures. Ça, c'est al-khabar. Kadhab al-khabar. Il a traité de mensonge l'annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a annoncé. Wa tawalla, il s'est détourné, c'est-à-dire anil amri wa nahi, des injonctions et des interdits. Donc, le premier, c'est de traiter de mensonge les annonces, les nouvelles. Le deuxième, c'est de délaisser les ordres et les interdits, de ne pas pratiquer, de délaisser tous les actes. Naam. Et on sera écarté de cet enfer-là, on sera préservé qui? Al-Atqa, le plus pieux. Et ici, il parle de qui? Il parle de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Comme on va le voir plus tard. Comme c'est rapporté dans un hadith Hassan, que ce verset qui vient après, elle l'a dit, uti malahu yatazakka. Il parle de Abu Bakr al-Siddiq et tous ceux qui sont sur le même chemin que lui. Celui qui donne ses biens en cherchant à se purifier. Naam. Pourquoi Allah Ta'ala il a appelé l'aumône obligatoire zakatu, la purification. Car la personne qui donne cet argent, c'est pour purifier son âme et purifier son argent. Donc, celui qui donne pour Allah Ta'ala, il cherche en cela à se purifier. Hein, celui qui donne son argent pour se purifier, pour chercher à purifier son âme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la personne qui est au juste milieu concernant l'argent. Il n'est ni avare ni gaspilleur. L'avare, c'est celui qui ne donne pas des bienfaits qu'Allah lui a donnés dans les choses obligatoires, dans les dépenses pour sa femme et ses enfants obligatoires, dans les dépenses pour sa famille, ses proches ou les nécessiteux. Et le gaspilleur, c'est celui qui ne vit pas selon ses moyens. Celui qui, quand il voit par exemple les gens avoir acheté une plus belle voiture, il va emprunter pour acheter une belle voiture. Il va vouloir vivre au-dessus de son rythme. Et le gaspillage, c'est relatif. Quelqu'un qui est très riche, acheter un vêtement cher pour lui, qui est pour lui une pas très grosse somme, ce n'est pas considéré comme du gaspillage comme pour quelqu'un qui a des revenus beaucoup plus faibles. Quoi qu'il en soit, pour tout le monde, c'est recommandé de se suffire du minimum dans ce monde. Ça, c'est ce qui est recommandé.
Mais nous, on parle de l'interdit. Le gaspillage interdit, c'est relatif selon les entrées et les biens de chacun. Donc, il donne ses biens, que ce soit dans les dépenses obligatoires, pour ceux qui sont à sa charge, ou pour la zakat, ou pour les nécessiteux, ou pour le djihad, fi sabilillah, ou pour les œuvres, les dépenses, fi sabilillah, même recommandées, pour en chercher en cela la récompense d'Allah. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى. Et il ne fait pas cela pour récompenser ou pour rendre la dette à un bienfait que quelqu'un lui a donné. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, il a été bon envers toi, ou il t'a rendu un service, donc tu lui donnes parce qu'il t'a rendu un service. Tu lui donnes pas pour Allah. Tu lui donnes parce qu'il t'a rendu un service. Ici, même si Abu Bakr al-Siddiq, ici, il a donné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui enseignant l'islam, il lui a donné le plus grand des bienfaits, n'est-ce pas? Mais ce bienfait-là, on ne peut pas le rembourser. Personne ne peut le rembourser, donc il ne rentre pas en considération. Nous, on parle ici de d'autres bienfaits qui peuvent être remboursés par quelque chose en échange, un bien, un service, etc. Et ici, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il a dépensé en cherchant que le visage d'Allah, non pas pour récompenser ou en échange d'un service qui lui avait déjà été rendu. إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. Il n'a voulu que en cela, sauf seulement chercher le visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il sera satisfait. Quand il va voir ce qu'Allah lui a préparé comme récompense de ce qu'il a dépensé, fils Abilillah, il sera satisfait. Car Allah Ta'ala a dit, l'exemple de celui qui dépense dans le sentier d'Allah, c'est comme une graine qui a fait pousser 7 épis, dans chaque épi, 100 graines. Et Allah, il multiplie à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi zidni ilma.